je suis un merde. Vous aimez la merde. Bienvenue à tous sur la chaîne Bout de Glace TV, c'est BDG. Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment débloquer l'arme légendaire, l'espadon légendaire, l'espadon de l'ordre. Regardez-moi ce magnifique espadon. Donc, espadon de l'ordre d'or. Espadon de lumière représentant le cercle d'Elden. Forgé par le roi consort Radagon, petit con, afin de symboliser avec fierté les principes de l'ordre d'or. L'une des armes légendaires, certains signes révélateurs semblent indiquer qu'il s'agirait de l'arme que Rhenana, sa première épouse, lui avait transmise. Compétence unique, vraiment bonne. Instauration de l'ordre. Vous brandissez votre arme en guise de salut avant de créer une explosion dorée. Enchaînez ces compétences pour projeter des ondes de lumière. Vraiment, c'est une très très bonne arme. Franchement, c'est un espadon que je kiffe. J'ai bien joué avec et vraiment, vous allez kiffer jouer avec. Donc, l'endroit pour débloquer cette arme, vous allez me dire, c'est simple. Vous allez à partir d'ici, Ordina, cité liturgique. Et il faudra aller jusqu'à une catacombe, grotte des parieurs. J'ai mis un petit point ici. Regardez la route et exactement le chemin pour arriver jusqu'au boss. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc, vous descendez, vous êtes là. Hein. En fait, pour y aller dans cette grotte, il faut un peu longer au niveau d'ici. Vous voyez, au niveau d'ici, il faut longer. Sinon, vous n'allez pas trouver la grotte. Donc, prenez le même chemin que j'ai pris. Vous allez voir et vous allez trouver, c'est très simple. Vous esquivez les ennemis, hein. Normalement, il y aura une bête, une sorte de boule pleine de pattes qui va vous bloquer l'endroit, mais c'est pas grave. Hein. Regardez, hop, vous voyez là, hein, tous les crabes, si vous voyez les crabes, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc continuez, vous continuez, vous continuez. Vous regardez un peu sur votre gauche, vous allez avoir une bête comme ça là qui va vous attaquer. C'est pas grave, vous pouvez l'esquiver, vous n'êtes pas obligé de la défoncer. Vous rentrez là au niveau des catacombes, hop, juste ici. Vous validez le site de grâce, comme ça vous êtes tranquille. Vous allez affronter plusieurs ennemis dans la zone, mais je vais vous faire voir la route exacte. Donc, une fois que vous avez validé le site de grâce, vous prenez votre torche, c'est mieux. Appuyez sur la touche L1 pour éclairer, pour ceux qui sont sur PS5 et la touche équivalente, c'est-à-dire sur PC et Xbox. Donc, vous éclairez bien comme ça. Et vous allez aller devoir faire une petite zone de saut et après une petite zone de jump pour arriver face au boss. Vous pouvez esquiver tout le monde. Il y a des objets à récupérer pour ceux qui va le fouiller, vous pouvez, mais sinon vous pouvez y aller comme ça. Hop, donc ici vous avez une zone là, là par là, vous voyez, vous pouvez monter comme ça là pour récupérer un objet. C'est pas ce qui nous intéresse, je vous bien fait voir comme ça parce que c'est un peu un labyrinthe, comme ça vous voyez bien où aller. Et là vous avez une zone tout droit pour récupérer aussi un objet, mais non, nous on va passer par là. Alors en fait ici vous voyez bien, regardez là, précis, un peu plus précis, hein, si ça vous aide. Vous sautez comme ça, hop, là, comme ça. Vous prenez de l'élan en courant, vous sautez, et là, il va falloir descendre. En fait, là, il y a une petite zone pour descendre. Vous voyez bien, là, hop. Allez, hop, vous descendez par là, hop, comme ça, hop. Et à partir d'ici, en fait, vous êtes en dessous de l'entrée où il y avait le dragon. Donc, à partir d'ici, vous pouvez esquiver toutes les méduses, hein. Vous n'êtes pas obligé de les affronter. Hop, facile à esquiver. Bon, là vous prenez le chemin par là, vous esquivez encore toutes les méduses. Et en fait là il y a une zone avec un trou là, un bon gros trou. Donc là vous descendez, hop, vous descendez comme ça, hop, hop, hop. Là encore, vous voyez, encore une zone pour descendre, hein. Là vous pouvez vous laisser tomber, vous risquez rien, hop là comme ça. Et juste là en fait, là, vous allez voir, ici, il y aura le boss. Et à partir de là, c'est simple, vous allez battre, vous allez avoir l'arme. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce tuto. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bonne, bonne, bonne. Et je vous dis à tous à très bientôt. C'était PDG.